Alors, vous connaissez sans doute l'expression « connaître quelque chose comme sa poche ». Les poches dont je veux vous parler, je pense que vous ne les connaissez pas. Mais peut-être que vous avez entendu parler, en revanche, de débats sur les réseaux sociaux, en particulier décriant l'absence d'égalité entre les poches des femmes et les poches des hommes, avec des hashtags demandant la « pocket equality » ou des études très sérieuses qui mesurent les poches des jeans des hommes contre les poches dans les jeans des femmes, voyant là aussi une inégalité. Alors, les poches des hommes et des femmes, à l'époque dont je vais vous parler, au 18e et au 19e siècle, étaient différentes, mais pas de la même manière. Les poches des femmes, à l'époque, étaient séparées du vêtement, c'est-à-dire que contrairement aux poches que nous connaissons actuellement et les poches des hommes à l'époque, elles étaient autonomes, elles se nouaient sous la jupe et ressemblaient à ces sacs que vous voyez derrière moi. Donc c'est à ces objets un peu oubliés que je vais m'intéresser ce soir avec vous, ou plutôt à ce qu'ils nous disent de la vie des femmes, de leur rapport à la mobilité, à la possession, à l'intimité aussi. Nous sommes à une époque où les femmes n'ont pas forcément le droit à la propriété en leur propre nom, et l'espace de la poche est souvent le seul dont elles contrôlent véritablement l'accès. Mais comment faire l'histoire de ces poches? Les poches sont silencieuses. Sur quelles sources allons-nous pouvoir nous fonder? Alors, je me suis intéressée à différents types de sources. Des sources judiciaires, par exemple, les procès, qui vont nous dire ce que les voleuses, par exemple, pouvaient mettre dans leurs poches, ou au contraire, les femmes victimes de vol, de pickpocket, par exemple, ce qu'elles avaient dans leurs poches au moment d'être attaquées. Mais je me suis aussi intéressée aux objets eux-mêmes, les poches, qui sont faits par les femmes, pour les femmes, et qui, de ce fait, contiennent tout un ensemble d'informations sur les pratiques féminines, en particulier de couture. Parce que les poches ont ceci de particulier qu'elles sont socialement partagées. C'est-à-dire qu'elles sont portées par toutes les femmes. Que les femmes soient duchesses, aubergistes, prostituées, toutes auront une poche. Alors bien sûr, dans des matières différentes, avec des usages différents, mais toutes ont une poche et toutes savent faire une poche, toutes savent coudre. Et si on compare à la maîtrise de l'écrit, la maîtrise à la fois de lire et de pouvoir laisser des traces écrites de sa propre vie, ça, à l'époque, c'est un privilège qui reste masculin. C'est ce que l'historienne des femmes, Michel Perrot, a appelé le partage inégal des traces. Alors, la question que je me pose, moi, c'est est-ce que les femmes qui n'ont pas accès à l'écrit, est-ce que ces femmes n'ont pas d'histoire? Et si je veux raconter l'histoire de ces femmes-là, n'ai-je pas intérêt à me pencher aussi sur ces objets qu'elles ont faits de leurs mains pour leur propre usage? Donc, je vais vous raconter plusieurs histoires de poches. Des poches très belles, très richement décorées, et puis des poches très usées, très rapiécées, que je trouve personnellement aussi belles, des poches pleines, des poches vides, pour essayer de comprendre ce que ces poches nous disent des femmes et puis comment un objet peut nous aider à écrire l'histoire peut-être un peu différemment. Je vous présente les poches les plus grandes que j'ai jamais vues. Elles sont gigantesques, elles sont immenses. Elles font 61 cm de profondeur, 43 cm de largeur. C'est vraiment gigantesque. Alors c'est un cas un peu extrême, mais les poches à l'époque étaient très grandes, comme celle que je porte là. Vous voyez, j'y ai confortablement mon portable, je pourrais y avoir un iPad. Elles font en général 40 cm sur 30 cm, donc c'est grand et on peut y mettre plein de choses. C'est ce que les femmes faisaient, d'ailleurs les voleuses s'en donnent un cœur joie. Une femme, par exemple, arrive à mettre 10 mètres de tissu. Une autre qui arrive à fourrer 40 pommes de terre dans ses poches. Ou cette autre qui tente sa chance avec deux canards croisés dans un champ. Hein, l'occasion était trop belle pour ne pas essayer de partir avec un canard dans chaque poche. Cette contenance, on la voit aussi forcément quand les femmes se font attaquer. Comme cette femme en 1754 qui est attaquée dans son carrosse. Et elle fait passer une annonce qui liste tout ce qu'elle avait dans ses poches. Et on y voit
15 petits accessoires précieux, semi-précieux, une tabatière, un étui, un nécessaire, des flacons, de l'argent, je ne sais quoi encore. On voit bien sûr là le volume et le poids que pouvaient contenir ces poches, et puis on voit comment la miniaturisation de ces objets qui sont devenus du coup portatifs sert aussi la mobilité féminine. Armées de leurs poches et de ces petits accessoires, les femmes vont pouvoir s'affranchir de la sphère domestique et puis aller en ville, en visite, au bal, bref, à la conquête de nouveaux espaces. Donc, changement de décor, nous sommes maintenant à la fin du 19e siècle, dans un contexte social très différent, dans l'East End de Londres. Et je vais vous parler maintenant de poche d'une femme dont vous ne connaissez pas le nom. Elle s'appelle Catherine Eddowes. Vous ne connaissez pas son nom, mais vous connaissez le nom qu'on a donné à son assassin, Jacques l'Éventreur. Donc, le corps de Catherine est retrouvée un matin du mois de novembre 1888 et elle porte trois poches. Une paire de grandes poches et une poche bleue à fines rayures. Le rapport de police nous détaille ou précise que toutes trois ont été sectionnées, éventrées. Le contenu nous parle de sa vie miséreuse, c'est une femme pauvre, mais aussi de ses efforts pour maintenir une apparence aussi respectable que possible. Elle a du savon, du fil, des aiguilles, un peigne. Elle a aussi des choses pour se sustenter, un peu de sucre, un peu de thé, un peu de tabac. Il y a aussi des indices de différentes stratégies de survie. 12 petits bouts de chiffon sans doute rassemblés pour être sans doute vendus à un chiffonnier ou bien les deux reçus de prêteurs sur gage qui nous rappellent qui mèneront d'ailleurs à son identification, hein, qui nous rappelle comment les possessions personnelles étaient souvent utilisées comme forme de crédit. L'enquête établira que, deux jours avant sa mort, Catherine et son compagnon John Kelly quittent Londres pour aller dans le Kent, qui est une région rurale à côté, dans l'espoir de se faire employer pour la récolte du houblon. Alors malheureusement, ils n'arrivent pas à se faire employer, et ils doivent rentrer à pied, sans un sou, dans les rues de Londres. Et là, réduit à la nécessité, John Kelly met en gage ses chaussures. Vous vous rendez compte qu'il n'a pas d'autre paire de chaussures. Et il met en gage ses chaussures pour acheter le sucre et le thé qu'on retrouvera dans les poches de Catherine et qui devaient leur servir de petit déjeuner. Donc, dans ces poches, bien sûr, on voit la misère, on voit un certain chaos, mais on voit aussi une femme qui essaye d'organiser sa vie, ses maigres possessions avec des petites boîtes. Ses possessions sont organisées dans ses poches différemment. Il y a aussi un jeu avec les contenants. Ces efforts d'organisation qui sont propres à chaque femme, on les voit dans d'autres sources. En fait, elle nous parle aussi du rapport de la poche à l'intimité féminine. Un autre exemple, une autre femme morte. Malheureusement, souvent, on rencontre les poches quand il se passe quelque chose d'un peu sinistre. Donc, une femme, elle, cette fois-ci, une bourgeoise, est retrouvée morte chez elle en 1888 aussi. Et alors, comme les circonstances sont un peu mystérieuses, il y a un policier qui mène l'enquête et qui fouille le corps. Et là, stupéfaction, le policier apprend au mari, bien sûr, qui n'en savait rien, que la femme avait épinglé dans un coin de sa poche 17 pièces d'or pour un montant de 17 livres, ce qui est assez important. C'est l'équivalent environ de 1 500 euros. Donc on ne sait évidemment pas comment elle avait eu cet argent ni ce qu'elle voulait en faire. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle avait réussi à transformer sa poche en un espace privé, une chambre à soi, même réduite à un coin de poche. Ce lien de la poche avec l'intimité, on le voit matériellement parfois dans les poches, dont l'ouverture est souvent brodée, signalant un peu l'entrée, puis de manière un peu symbolique aussi peut-être la gardant, la surveillant cette entrée. La plus petite poche de notre corpus, c'est celle-ci, et vous voyez son entrée, enfin l'ouverture, elle est entourée de ces petites broderies de cœur. La poche, elle est aussi brodée avec le nom de celle qu'il a faite, Margaret Diaz.
et de la devise « Forget me not », ne m'oubliez pas. Elle a ceci de particulier que c'est une poche qui a été faite par une détenue de la prison pour femmes de Glasgow qui l'a offerte en cadeau à la femme du gouverneur. Et elle est brodée avec les cheveux de la détenue. Donc c'est un cas un peu particulier, c'est un peu une star de notre corpus de ce fait, mais elle n'est pas la seule à porter le nom de celle qui l'a faite ou de celle qui l'a portée. Souvent, le nom s'étale sur le devant de la poche ou bien il est sous forme d'initiale, un peu plus caché dans le décor de broderie. Puis d'autres fois, il est beaucoup plus cryptique encore et ça va être juste une petite marque de lingerie, des initiales. Mais ces initiales sont intéressantes aussi parce qu'en fait, elles vont nous rappeler tous les gestes féminins autour du travail du linge. C'est-à-dire que le travail quotidien de faire le linge, le marquer, le réparer, l'entretenir, tous ces gestes qui étaient le quotidien des femmes n'ont laissé aucune archive. Donc seuls les objets finalement garde quelque chose de la mémoire de ces gestes. Et donc, regarder ces objets, les interroger comme d'autres sources, c'est aussi exhumer des pans entiers d'une histoire féminine qui, sinon, est restée complètement silencieuse parce qu'elle n'a pas d'archives écrites. Les poches que vous voyez, ces quatre poches, elles viennent de la même famille, mais elles n'ont pas de nom. Pourtant, quand on les regarde, elles ont un air de famille dans la manière dont elles sont réparées. La main qui les a réparées savait ou ne savait pas écrire. Mais de toute évidence, la main qui les a réparées est une main unique et elle nous dit, c'est une sorte de signature de fil qu'on voit dans cette similarité, dans cet air de famille qui nous dit « j'ai été là ». L'archéologue John Dietz, qui est un archéologue américain, dans un ouvrage qui est un peu ancien maintenant, mais qui, je trouve, reste pertinent, appelle les historiens à se rappeler de ce qu'il appelle les petites choses oubliées du passé, parce que ce sont elles dont se tisse l'étoffe de nos existences. Alors, par rapport aux grands problèmes du monde, aux conflits internationaux, peut-être que étudier les poches, ça peut paraître un peu marginal, voire trivial. Pourtant, je pense que, j'espère que je vous aurai un peu convaincu, interroger les poches permet d'interroger le monde un peu différemment. On a vu que c'était un espace du secret, de l'intimité, c'est aussi un espace des possibles. Qu'aurait fait cette femme si elle avait pu prendre la fuite avec ses canards? Que comptait faire cette autre femme avec cette somme d'argent cachée à son mari? C'est aussi un espace où on entend quelque chose d'un écho d'un monde social et économique, brutal, parfois violent, un monde dans lequel les femmes n'ont pas toujours leur place et pourtant dans lequel, bon an, mal an, elles essayent de se frayer un chemin avec leurs poches. Et vous, aujourd'hui, là, qu'avez-vous dans vos poches? Qu'est-ce que les historiens diront de nos sociétés, de nos vies, en s'intéressant au contenu de nos poches? Y verront-ils un monde ultra connecté, ouvert sur les autres, ou au contraire, un monde régi par les logiques individualisantes d'algorithmes surpuissants, un monde devenu dématériel, virtuel, ou au contraire, un monde en proie aux enjeux très matériels de l'extraction des ressources, comme ces minerais qui rendent nos écrans tactiles si tactiles. Plus d'égalité entre les hommes et les femmes, je ne sais pas. En tout cas, j'espère que vous en conviendrez avec moi. Hier comme aujourd'hui, je crois qu'il n'y a rien d'anodin dans nos poches.